Elle était très malade, vite elle est conduite à l'hôpital. Elle espérait de tout son être surmonter ce scandale. Elle se posait la question, est-ce une malédiction? Mourir pour elle en valait la peine, le mal de vivre dans cette peine. À l'hôpital, elle était couchée à même le sol. Elle gémissait et tournait à rond sans qu'on la console. L'heure est peut-être venue pour elle de disparaître. L'envie de mourir dominait déjà son être. Elle a compté sur nous, espérant sortir de son état. Aujourd'hui, compte sur Dieu pour la sortir de cet état. Jetée en pâture dans l'univers, sa vie était un mystère. Elle jeta un regard pensif et se posa la question si sa vie valait la peine d'être vécue. À ses propos, elle se laissa perdre dans une méditation. Et à qui se confie-t-elle? Au grand barbu. Hey, Inch'Allah. Inch'Allah, il faut que la vie nous fasse grâce. Inch'Allah, que l'on puisse faire face. Inch'Allah, il faut que la vie nous fasse grâce. Inch'Allah, il faut que le mal trépasse et que la vie efface toute menace. Inch'Allah, il faut que la vie nous fasse grâce. Inch'Allah, que l'on puisse faire face. Inch'Allah, il faut que la vie nous fasse grâce. Inch'Allah, il faut que le mal trépasse et que la vie efface toute menace. La vie vaut-elle la peine puisqu'éphémère est-elle? Elle a compté sur peu, aujourd'hui compte sur Dieu. Ayarndaye la main, tana logame, mbasiton nedounia, nisal kidame. Mais la vie, elle s'en va, tous acteurs d'un opéra, chacun vient jouer sa partition et puis s'en va. De son vécu, vivre était cruel, mais elle, très dessus, se laissa emparer par le mal ci-dessus. Sa vie se désintègre dans un monde sans tendresse. Son corps s'en est défait, du moindre oui, du moindre geste. Et son âme dans les airs, aussi fragile que faible se dresse. Sur le chemin, le sentier du non-retour, à bout de souffle. Si elle avait su, si elle avait pu, si elle avait cru, elle aurait peut-être dû. Mais hélas, elle s'en est allée. Je voudrais lever le ton à tous ceux qui croient que la femme est un sexe faible, au point de la réduire au silence. Exprimer au ras-le-bol à la main toujours prête à passer au coup de poing. Crier de vive voix cette mélancolie, vous faire entendre raison. Et si aujourd'hui elles sont étouffées, nous en sommes les artisans. À toutes ces femmes qui souffrent quelque part, je n'ai que ma voix, le parolier, juste que je clame comme moi-même. Inch'Allah, il faut que la vie nous fasse grâce. Inch'Allah, que l'on puisse faire face. Inch'Allah, il faut que la vie nous fasse grâce. Inch'Allah, il faut que le mal trépasse et que la vie efface toute menace. Inch'Allah, il faut que la vie nous fasse grâce. Inch'Allah, que l'on puisse faire face. Inch'Allah, il faut que la vie nous fasse grâce. Inch'Allah, il faut que le mal trépasse et que la vie efface toute menace. Thank you.